savoir à l'écoute de ce programme. Et c'est vendredi, c'est l'heure de Culture Hebdo, un rendez-vous hebdomadaire avec Roger Montou. Bonsoir Roger. Bonsoir Alexa. Vous avez reçu cette semaine l'artiste burkinabé Awa Boussim. Exactement, quel plaisir en tout cas de l'avoir. Nous avons eu cet immense privilège d'accueillir Awa Boussim, figure emblématique de la musique burkinabé, née à Kipura, dans la région du centre-est du Burkina Faso. Awa a commencé à chanter dès l'âge de 14 ans lors des cérémonies communautaires, s'exprimant dans sa langue maternelle, le Bissa. Malgré les défis d'une éducation interrompue et ses charges de troisième épouse dans une famille polygame, elle a su s'imposer et briller sur la scène musicale en pleine tournée européenne. Elle nous a fait l'honneur de faire une halte spéciale sur nos ondes ici à VOA Afrique. Je vous invite à découvrir un extrait de notre entretien exclusif. Je le disais aussi en titre, Awa, que vous avez commencé à faire la musique à l'âge de 14 ans déjà. Comment, on connaît les communautés souvent en Afrique, mais comment votre communauté a-t-elle réagi lorsque vous avez commencé à chanter à 14 ans lors des cérémonies locales? La famille, la communauté, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont dit? Ma famille est très contente de mon succès. Quand elle me regarde à la télé, elle est très fière. Elle dit « Waouh !» Exactement. Alors, je sais que vous êtes en tournée en Europe aussi, on en parlera dans un instant. Mais d'abord, il y a une exclusivité, cette chanson qu'on va écouter, la première chanson. Qu'est-ce que vous dites dans cette chanson-là Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous racontez? Les conditions de vie deviennent difficiles dans le monde actuel et ces conditions sont plus difficiles en Afrique. À telle enseigne qu'il est nécessaire que les parents conseillent les enfants avant qu'on adopte des comportements humains, afin qu'on soit humain dans nos actes, dans la manière de penser, dans la manière de faire et qu'on respecte les aînés. Qui avait dit que VO Afrique, les journalistes ne peuvent pas danser, comme vous avez pu l'entendre. Awa Boussim marie habilement les traditions ancestrales aux sonorités afro-pop, se produisant sur les scènes d'Afrique de l'Ouest, d'Europe et des États-Unis. Dans cet entretien qui est disponible en intégralité sur voafrique.com, Awa revient sur son parcours inspirant et son influence sur la scène musicale internationale. Voilà, c'est tout en tout cas, tout ce qu'on a prévu, Alex, cette semaine. Merci pour cette belle découverte. C'est un bon week-end à toi également, Roger. Super.